bonjour les biquettes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Assassin's Creed Mirage. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur la playlist de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des sites historiques. Alors actuellement, je suis sur la région Carx, et il y a 11 sites historiques. Donc je vais vous montrer déjà les 11 où ils sont, et après on ira les chercher. Donc le tout premier est ici, juste à gauche du monastère des Vierges, en bas à gauche, voilà. Après, le deuxième, il y en a ici au niveau de la demeure des collecteurs d'impôts. Voilà. Après, il y en a trois à la suite. Ici, ici et ici. Au niveau du bazar. Après, en bas à droite du bazar historique. Voilà, ici, là. Après, on monte au quartier de cuisine. Donc là, c'est fait. Alors là, il y a 3, 4, 5. La 6, la 7, là juste à côté du grand garage 8, à gauche de la maison des officiers 9, le 10e se trouve au cœur Sali, voilà, et le 11e ici au niveau de l'eau. Voilà les 11 sites historiques. Donc je vais les faire avec vous. Donc le tout premier, c'est celui-là. Nous allons sauter et aller les chercher. Donc on va aller chercher les 11 qu'il y a. Alors celui-là, il n'est pas trop difficile. En général, ils sont dans des endroits assez faciles à prendre. Voilà. Et malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus compliqués. Mais la plupart du temps, sont assez faciles à prendre. Donc le premier, le deuxième, demeure d'impôt. Alors bien sûr, je vais essayer de me téléporter à certains endroits si je peux. Mais l'autre, il va falloir que j'aille à pince. Allez, monte ou saute. Des fois, tu te poses la question si tu sautes vraiment ou pas. Pardon. Et bon, voilà, on peut aller tout droit par les routes, c'est le plus simple. En plus, ça permettra de peut-être de trouver des parchemins pour alors il est où? Il est en haut, il est là-haut. On va essayer de y arriver. Alors, il est où? Ah bah, il est carrément en plein milieu. Donc, il n'y a pas de difficulté non plus. Voilà. Après, donc ça, c'était les deux premiers. Après, le suivant, ils sont ici au niveau du Grand Bazar. Eh bien, écoute, on va y aller aussi. Cette fois, on va appeler ma monture. Ce sera plus simple. On va soit passer par la grande avenue, ce sera plus simple. Bon. Je vais moins vite avec la monture dehors. Donc, autant y aller comme ça. J'en profite pour regarder si je vois pas des affiches pour descendre ma notoriété. Donc l'entrée du Grand Bazar. Voilà, on va faire. Voilà. Et merde. Ah.
Encore un. Ah non, c'est... je l'aime pas. Ah, ça me tue. Fait chier. Mais il est trop puissant, lui. À chaque fois, il me défonce. En plus, le pire, c'est que même quand tu crèves, ta notoriété ne redescend pas. C'est chiant, ça. Et à chaque fois, faut déposer des pièces et tout pour descendre la notoriété. Alors, est-ce que je suis à côté ou pas? Normalement, je suis pas très loin du marché. Donc, on va aller là-bas. Allez. Voilà. Je sais pas si je peux monter, je me rappelle plus si je peux monter par là ou pas. Non. Je me rappelle plus si je peux passer par là ou pas sur le côté. Alors, on va chercher. Alors. Le premier qui se trouve ici, normalement. Il est où? Il est en haut? Ouais, il est tout en haut. Comme par hasard. Alors, comment on fait pour monter? Voilà. Sur le pont, voilà, monter, voilà, allez, donc il est tout en haut, vous le voyez ici, voilà, le prochain, le quatrième qui se trouve ici, je sais pas s'il est en haut ou il est en bas, j'ai envie de le savoir, juste regarder. S'il est en haut, ça évitera de descendre. Non. Il est en bas. Voilà. Alors, il est où? Super, il est de quel côté? Alors il est peut-être en bas, mais au premier. Bon, donc, je passe par là. Quoi. Alors là, il y a du premier. Est-ce que c'est par là ou pas? Il est où? Non, il est là-bas. Faut aller de l'autre côté. Ah, il est là, vous voyez? À l'autre sortie. Voilà. À l'autre sortie. Après, le prochain est ici. Donc, ce sera le cinquième. D'éviter les bagarres si je peux, donc celui-là aussi il est pas trop compliqué. Voilà, parfait. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a, je vais aller à lui d'abord, m'enlever ses. Allez, je vais m'enlever le. Donc ça en fait 5. Là il y en a un sixième juste à droite. Ça tombe bien, je suis pas très loin. On va aller par là-bas. Des fois il vaut mieux prendre la route parce que le temps de monter, de sauter les immeubles d'immeuble en immeuble, c'est un peu chiant.
Alors celui-ci est de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il est en bas. Donc pas besoin de monter. Oui, pas de difficulté. Voilà. Donc ça, c'était le sixième. Après le septième, il y en a un ici. Quartier des cuisiniers. On va prendre, reprendre le pont. C'est un petit peu long, mais c'est pour la bonne cause. Alors, il est là-bas derrière. Est-ce que c'est un camp? Non. Il est où? Il est là-bas. Alors, je sais pas s'il est dans le bâtiment ou au-dessus. Il est au-dessus, ça va. Il y a quelques ennemis quand même autour, faites attention. Hein. Donc ça c'était le septième. Donc le huitième se trouve là-bas. Je vais me téléporter là-bas, ça va changer un petit peu. Ça fera un petit peu moins de course. C'est presque la fin. On les a presque tous su. Alors faut que j'aille après derrière là-bas. Je vais tout droit. On va à la gauche. Ok, sur la grosse avenue, non? Il est où? Il est là-haut. Donc c'était le huitième. Le neuvième se trouve ici. Et après les deux autres là-bas. Eh bien écoutez, on va d'abord faire celui-ci plutôt. Celui-là là-bas après. Et après on finira par celui-ci. Donc le neuvième qui est juste là à côté. Ça évitera de faire des allers-retours pour rien. Il y a du monde ici. Alors, le neuvième. Je sais pas si. Je crois que je vais faire le tour. Je pense pas que ce soit dans le bâtiment. J'espère surtout pas qu'il n'y ait pas dedans. Parce que c'est compliqué d'y rentrer. Alors il est où? Il est à droite là, ça. Pas non plus. Ah mais ça c'est l'autre, c'est de l'année ça. Je suis allé tout au fond. Ah merde. Ça je suis allé tout au fond. J'ai pas pris le bon. Bon j'ai pris le neuvième plutôt ici finalement. Et faut que je recherche. Ben, je suis passé devant mais sans le faire exprès. Allez, on repart alors. On va sauter dans l'eau. Pour pas faire mal. On va repartir en arrière. Je l'ai loupé sans faire exprès. Donc c'était le 9e. Le 10e est là-bas. Ça c'est abusé, ça me fait repérer alors que j'ai rien fait du tout. Il est là-haut. Je suis même pas recherché, j'ai rien du tout, et pourtant, il m'aime pas.
Voilà. Je me casse. Comme par là, ils me poursuivent. Je sais pas si je peux me téléporter à côté. Comme c'est là-bas, je vais voir si je peux. Non. Tant que je suis recherché, que je suis rouge. Mais écoutez, on va essayer d'y aller. On y est, à pied. Je peux pas passer, lol. Normalement c'est bon, je peux me téléporter à peu près. C'est bon. Et donc on va se chercher le 11e et dernier. Il faut aller à droite. Ça va aller sur la grande place, normalement. Il n'est pas au niveau des ennemis. Contrairement aux coffres, les coffres ils sont tous au niveau des ennemis. Là. C'est peut-être devant chez les ennemis, mais pas dedans. Et donc voilà le dernier. Le 11e. 11e et dernier. Voilà, je me protège pour l'instant. 11e et dernier de la carte. De la carte Kark. Bon, allez, je suis tout à fond. Il me reste juste les éclats mystérieux. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne game. Allez, ciao ciao.